Voici le guide complet des défis de la semaine 7 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'installer des pneus tout-terrain ou des pneus par balles sur un véhicule. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de vous rendre directement au Nitrodrome, parce qu'à cet emplacement-là, vous aurez obligatoirement une des deux améliorations. Donc vous prenez un véhicule et là, regardez, là, vous avez des pneus tout-terrain et parfois, ben, vous avez des pneus incassables, donc par balles. Donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est tout simplement vous équiper de l'une de ces deux modifications et dès que ce sera fait, ben là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de glisser par-dessus un véhicule. Donc pour réaliser ce défi, vous avez juste à trouver un véhicule. Ensuite, vous sprintez vers le véhicule, vous sautez et là, vous glissez quand vous êtes sur le véhicule. Donc là, j'ai un peu raté, on va recommencer. Donc hop, vous courez, vous sprintez et là, vous, quand vous êtes en plein saut, vous glissez. Donc quand vous êtes en haut de votre saut, vous glissez pour justement, vous vous accroupissez pour justement glisser sur le véhicule. Et dès que vous aurez fait ça, normalement, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de tirer 500 fois avec votre arme. Donc vous trouvez n'importe quelle arme, vous tirez 500 balles et dès que ce sera fait, ben là vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires ou à des véhicules en étant accroché avec un canon accroché. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un crochet, donc un canon accroché. Donc c'est cette arme-là. Par contre, vous pouvez la trouver posée comme ça au sol sur Fortnite. Je pense que vous pouvez la trouver dans des coffres, mais aucun personnage n'en vend, donc il va falloir avoir la chance de l'obtenir. Et ensuite, quand vous l'avez, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à des adversaires ou à des véhicules. Je vous conseille quand même de le faire contre des véhicules. Là, par contre, j'ai pas deux véhicules sous la main, donc ça va pas le faire. Peut-être que si je fais ça, que je m'accroche à mon propre véhicule et que j'inflige automatiquement des dégâts à mon véhicule, ça fonctionne. Je ne suis pas sûr. Si ça fonctionne pas, ben, faudra infliger des dégâts à d'autres véhicules ou à d'autres joueurs. Donc pour ce faire, bien évidemment, vous l'avez remarqué, il va falloir que vous vous accrochiez au véhicule. Donc vous prenez votre canon accroché, vous ne visez pas sur le véhicule, vous restez comme ça, sans viser, et vous tirez. Ensuite, vous avez vu, vous allez être accroché au véhicule, et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir utiliser n'importe quelle arme, tout en restant accroché au véhicule. Donc maintenant, ce que vous allez devoir faire, c'est de faire un total de 750 de dégâts contre des véhicules ou des adversaires ennemis. Dès que ce sera fait, ben là, vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec une arme dotée d'un canon modifié. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver une arme où il sera marqué justement que le canon a été modifié. Donc là par exemple, j'ai un laser sur mon arme, donc ça c'est le sous-canon, donc ça ne fonctionnera pas. Donc soit vous trouvez une arme avec un canon modifié, actuellement déjà sur l'arme, ou alors vous allez près d'un bunker qui apparaît uniquement à partir de la troisième tempête hein, et qui est représenté par ce petit logo. Et dans ces bunkers, vous avez des établis de modification où vous allez justement pouvoir modifier votre arme. Donc vous allez dans l'établi et là, vous allez aller dans vos canons. Donc c'est le quatrième logo et vous allez sélectionner n'importe quel canon. Donc soit c'est un silencieux, soit c'est un frein de bouche. Donc ça veut dire que si vous trouvez une arme avec un silencieux, vous allez pouvoir réaliser votre défi. Hein. Vous ne serez pas obligé d'aller à un établi. Mais si vous n'avez pas d'arme avec un silencieux ou alors un frein de bouche, bah là, vous allez devoir modifier votre arme vous-même grâce à l'établi en payant 75 lingots d'or. Donc ensuite, quand vous avez votre arme modifiée, avec un canon modifié, là, vous allez devoir chercher des adversaires. Et ensuite, vous allez devoir en tuer 10 avec l'arme en question. Et dès que ce sera fait, bah là, vous débloquerez les récompenses.